connaissiez pas Marcela Yacoub et Lise Moon? Non, je connais pas. J'ai pas été aussi mal poli que Christine. Ah, pour, qu'est-ce que vous avez avec fait avec Wally? Parce qu'elle a fait t'es qui toi? T'as quel âge? Non, non, j'ai dit vous êtes non. qui ah, déjà, il y a du mouvement, tranquille. D'accord, mais tu lui as dit qu'il était beau. Bah, parce que c'est vrai. C'est mais vrai. Et à toi, elle te l'a pas dit. Donc voilà, non, tu vois. Bah, oui, mais... et pourtant, elle déforme. Est, hein. Qui est Marcela? Alors, Marcela, vous pouvez vous présenter à Lise Moon? Ah, c'est compliqué de se présenter, je sais pas. C'est une pute. T'es pas bien, toi. Tu es célibataire, je crois. Voilà, oui, oui. Oh, bah, je te remercie. Ouais, ouais. J'écris ouais. Tes sortes de choses. D'accord, bah c'est passionnant. Donc il y a toutes sortes de choses. C'est-à-dire que non, mais j'écris à elle est chercheuse. Oui, je ça suis... tombe bien pour votre bite. Oh, oh, c'est encore pire que moi. Enfin, ça. Ah, non, mais moi ça me choque, hein, non, franchement. Je préfère qu'on parle de potager, hein, parce que alors c'est dégueulasse. Mais ça c'est fait des deux mots qu'on n'envoyait pas. Deux minutes. Il est déchaîné. Alors attention, non, parce mais que... dis ton vrai métier, parce que là tu. Elle est chercheuse au CNRS. Oui, oui, d'accord. Vous cherchez dans quoi? Sur le sexe. Non. Mais si. C'est... Non, non, c'est pas ça. Là. C'est l'histoire du droit, en fait. Mais bon. Ah bah, il faut que le sexe soit ça fait moins bon. Et je m'occupe aussi du droit du sexe. C'est vrai que le droit du sexe, ça occupe beaucoup ma... voilà. Mes réflexions. Elle est là pour l'accent, en fait. Hein. C'est juste ça pour l'accent. C'est cool qu'il n'y ait pas une caméra, parce que la tête d'Élie est intéressante. Non, mais je me demande si je peux coucher avec elle ou pas. Enfin, oui. Je ne sais pas, j'hésite. Hein. Oui, mais sauf qu'après, on risque de lire vos aventures. Ah, d'accord. Ah bah tant mieux, alors. Parce que j'ai... Non, mais là, si vous dites ça, vous allez m'éloigner tous les amants potentiels, Laurent. Ah, vous pensez? Oh, il y a des gens qui aiment qu'on raconte leurs histoires au lit, vous savez. Non? Élise et Moon, vous aimeriez? Ah, moi, ça ne me dérangerait pas. Voilà, ça peut faire deux pages. Ouais. Non, 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 deux chapitres. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Donc, je sens en tout cas que vous êtes touché par cette Marcela Yacoub que j'ai. Bah, en tout cas, je suis curieux, quoi, voilà. Ah, je suis curieux. Ouais. Pourquoi? Non, mais tu la regardes comme si c'était bah, oui, mais un ovni. Mais ou quand on fait connaissance, c'est normal qu'on se regarde. C'est vrai qu'au Alidia, vous avez moins de chance. Je vous ai installé à côté de Christine Bravo. Moi, je ne sais pas qui c'est, donc... alors, on a... c'est un humoriste. On a, ah bah alors, on a fait le Marrakech du rire ensemble, et là, moi, il y a quelques jours. Moi, je connais les intellectuels et toi, tu connais les humoristes. Voilà. Bah, oui, ça veut dire que je suis con, c'est ça? Mais... je ne sais pas du tout qui vous êtes. Je peux pas... Non, mais lui non plus, c'est pas qui vous êtes. Je suis en train de chercher encore. Mais vous êtes drôle. Ah, oui. Des fois, le dimanche matin, ça va arriver. Le vendredi soir et le samedi soir. Ouais. Ok, d'accord, bah, on va faire connaissance. J'ai peur de cette dame, vraiment, hein, depuis tout à l'heure. Pourquoi? Je sais pas, elle me regarde, vous êtes qui? Ça fait 8 fois qu'elle pose la question, ça commence à faire flipper. C'est parce que ça n'imprime pas chez elle, vous savez.